putain! Mais c'est quoi cette direction? Ça marche plus! Juste. Mais je n'en sais rien, ça m'est... Non mais bon, soyez polis, hein. Au programme, les catastrophes de l'humanité. Non, attendez, non mais il y a une erreur. Que fait Nicolas Perrac dans la rubrique catastrophe de l'humanité? C'est un bon sens. C'est un des meilleurs auteurs compositeurs de toute sa génération. Monsieur Supergrid, c'est vous. Oh. Bon, tombons le masque. Assumons nos idées à visage découvert. Eh bien oui, moi, Greg Supergrid, je vous accuse, vous, en tant que représentant des adultes. Allez, ça suffit maintenant. Assez joué, mon bonhomme. J'ai des bagnards à livrer. Alors, tu nous détaches. Je vous déclare coupable des catastrophes et autres dérives humaines. Le chef d'accusation est lourd. Très, très lourd, messieurs et mesdames les adultes. Et on se fait une petite partie, papa. Oh, qu'est-ce qu'elle fiche, Marie-Jo. C'est pas son genre d'être en retard. On doit aller à Big Shops pour les soldes. T'inquiète pas, petite. Elle doit sûrement parler sur mon doigt à Léontine au restaurant hier. Il faut toujours que j'accasse ces deux-là. Ma bébé, si tu veux, je t'accompagne. Ouais, c'est ça, fiston. Vas-y. Et moi, il faut que j'aille bosser. C'est l'heure. Guerre, pollution, chômage, dioxine, vache folle, famine. Avez-vous conscience du monde que vous nous laissez? Est-ce qu'une personne de moins de 14 ans est responsable de tout ça? Ouais, enfin quoi. C'est vrai, c'est quoi cette famine qui fait de la malnutrition? Ouais, il faut l'éradicationner. Et ça suffit aussi, les enfants esclaves à la solde des dictateurs. Bien parlé, ma sushi. Les adultes sont coupables, les enfants sont victimes. Vous voulez m'arnaquer ou quoi? Il y a marqué en solde sur l'étiquette et vous voulez me faire payer le prix fort. Mais... Ah! Excusez-moi, je n'avais pas vu. Ce sera tout. Waouh! Comment tu l'as remis en place? On peut dire que tu sais t'imposer, toi. Waouh! Quel charisme! Quelle autorité! Trop la classe, quoi! Ah, tu sais, Wood, si on me demandait comment il est pour moi l'homme idéal, je dirais que c'est quelqu'un... Allez, debout là-dedans! C'est pas le moment de dormir, flemmard! On a rancard avec les autres! Oh, où est ma bébé? T'es plus belle que l'été, plus mignonne que l'automne, plus fière que l'hiver, ma fleur de printemps. Salut les enfants. Alors, comment ça va? Bonjour, madame Léontine. Dites, vous auriez pas vu la mère de Jimmy des fois? Je devais aller faire les soldes avec elle. Désolée, ma petite. C'est bizarre. Elle devait venir me livrer des beignets ce matin, mais elle n'est pas venue. Allô, Léontine, c'est Marie-Jo. Ces nigauds de gamins veulent me juger en tant qu'adulte.
t'es là. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? C'est quoi ce délire? Je dirais même plus, c'est carrément une mascarade. On m'a accordé un coup de fil comme la loi l'exige, alors je t'appelle pour te prévenir que les beignets ont refroidi et que si ça continue, je vais me faire couper. Aïe, 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 Marie-Jo a été kidnappée. Mais ne vous inquiétez pas, les enfants, j'ai localisé l'appel, ils sont foutus. Venez. Ouais. Oh, j'y vais, Jones. On est innocent. Vous vous trompez de cible, quoi, enfin. Dites-donc, est-ce que je paye pas pour un crime que vous aurez commis, autant hein? Pour moi, dites-donc. C'est peut-être vous la coupable, si ça se trouve. Quoi? N'importe quoi. Je suis innocente. C'est même pas vrai. Je suis innocente, j'ai dit. Même pas vrai, moi, je dis. Voici, vois comment ils s'amaillent. Ils sont pires que des bombes. C'est vraiment affligeant. Si c'est pas malheureux. En résumé, le voilà, l'humain. Un grand malentendu qui aboutit au conflit. Vous multipliez ça à l'échelle d'un pays et hop, nous voilà en guerre. Oui, et parfois c'est juste comme pour trois lopins de terre qui pourraient être partagés. On met les gamins en première ligne, lâchement, on les sacrifie au nom d'un idéal conçu par les adultes. Arrêtez ça, nom de nom. Dis donc, c'est quoi cette façon de parler? Tu m'imites? Tu me plagies? Ben quoi? Je dénonce la bêtise des adultes. Et puis monsieur n'a pas le monopole du verbe et de la formule que je sache. Nom de nom. Quoi? Mais tu recommences? Tu le fais exprès, nom de... Nom de nom, nom de mais nom, nom de nom. Arrête! Attention, je vais demander des droits d'auteur. J'irai au tribunal pour plagiat. Nom de nom, nom de nom, nom de nom, nom ça de nom. Ça suffit, ça suffit, hein. Ça suffit, ça suffit. En résumé, voilà l'humain. Vous multipliez ce conflit à l'échelle adulte et on a un cas de divorce, là. Bonjour, c'est ici le jugement des adultes. Tout à fait. Tout à fait, nom de nom. Oh, copieuse, va. Dites, messieurs, dames, les adultes, j'ai un problème avec vos lois. Je suis une star potentielle, ok. L'argent va s'accumuler sur mon compte, ok. Vous allez bloquer mon compte en banque parce que je suis mineur? Pas ok. Mais alors, pas ok mais du je, tout. Mais je ne suis pas banquier. Ah, il y a erreur. Autant pour moi. Eh, dites donc, tu m'as enduit d'erreur, Fudge. Ça se passe sous le jugement des adultes, nom de nom. Mais quoi, nom de nom? Tu t'y mets aussi? Mais on vit dans un monde de photocopies, de duplications, de clonage. C'est affolant. Bafoueur de personnalité, va. Et puis ce jugement, il est juste symbolique, Fudge. Allô, ici police centrale. Agent Woodstock, signal de détresse du proviseur dans la zone du temple. Confirmez votre position. Les Ecos, j'ai maté sur notre piratage de fréquence des Ecos. Il y a le proviseur qui est en danger de plus vivre. Zarma, il faut qu'on se bouge, sa mère. On va le sauver, les gars. Proviseur! Délibéré, je déclare les accusés, Madame Marie-Jo Woodstock, exerçant la profession de livreuse de beignets, et Monsieur Jean-Bernard Delanezou, rebaptisé MC Groove Boxman, proviseur de son état. Innocent des crimes commis par l'humanité. Mais n'oubliez pas vos responsabilités. Allez les amis, top là, sans rancune. Cela dit, il faudra qu'un jour on les juge, ces adultes sans scrupules, ces criminels coupables d'ignominie. Oh, de ma vue, où je commets un crime. Allons, libère mon mari Jo. Yahoo! Où t'as mis mon mari? Allez, on se calme. Le verdict est tombé. C'est Wood sous le masque. Oui, sans rancune. Maman, ça va, tu n'as rien. Oh, maman, moi, quelle angoisse, si tu savais. Ça va, mon fils, ça va, les pas avec les luttes, mais ça va. Oh, oh les enfants, rien de cassé. Yo, les amis, je suis innocent des crimes de l'humanité. Trop excellent et pas tant grave. Yo, c'est le proviseur, sa mère. Comment il déchire grave. MC Groove Boxman, quoi. Yo, notre intégrationnaire, boyau de la balle. Tiens, tiens, qu'est-ce que vous faites là, hein? Jimmy, t'es pas à l'école, toi?
Et vous, ça déblatère encore sur mon dos, je parie. Enfin, Marie-Jo vient de vivre une épreuve difficile et toi, tout ce que tu... Dis donc, toi, si tu faisais un peu mieux ton boulot, monsieur l'agent, je pourrais livrer mes beignets. Ma chérie, excuse-moi pour les soldes, on ira demain si tu veux. T'inquiète pas, Marie-Jo, c'est pas grave. Ah, ma bébé, c'est beau cette relation que tu as avec ta future belle-mère. Sache que l'amour que te porte son fils, il est pas soldé, il te l'offre au prix fort. Au nom de la confrérie des nounours, je déclare pour le bien de l'humanité la paix obligatoire. La fraternité de mise. Ouais, et la tolérance indispensable. Oui, assumons tous nos responsabilités d'être humains. Imposons le respect. Entre adultes et enfants de bonne volonté. Allez les enfants, baignez pour tout le monde. Ouais, ouais.